Mesdames et Messieurs TV, la caille nous compte avec nous encore une fois pour nous voter une autre vidéo pour vous. Une vidéo de formation, une bulletin chargé dans tout coin. Commissaire Muscadet, encore une fois, mesdames et messieurs, frappé. Eh bien, monsieur fait prend chef gang TUP. Et dans Miragouane, ce n'est pas Détroit l'obéi, ce n'est pas Détroit dérive, ce n'est pas Détroit et des autres que TUP a créé dans Miragouane. Eh bien, commissaire Muscadet, et qu'il a branqué avec monsieur Bab pour Bab, soit en dialogue. Et pas gen l'autre et route c'est Kaiba on lié et ben commissaire Muscadet qui kembe monsieur avec une équipe munition que l'a saute prendre en Port-au-Prince et ben pour porter descendre dans Miragouane et c'est là commissaire Muscadet pour braquer avec TUP mesdames et messieurs sortant d'ya et ben monsieur Al Kaiba on nous va inviter ou gagner plus en détail avec un commissaire la vidéo ça ULCC jodien et ben qui dit même finalement et conclut sous question et corruption qui gagne dans CPTA, côté gagne trois conseillers présidentiels, mesdames et messieurs, et ben qui ont même impliqué dans casser coup et donc BNC et fois ça, et ben ULCC mandé à action publique réagir rapide vite que possible trois nèg ça et ben fout nèg yo en bas code parce que quel que soit nèg dans l'état qui rentre dans le dossier corruption, il y a marié ou tant que volé et c'est volé même ou y est, ou c'est gang, ou c'est assassin, ou c'est tout bête, parce que soit travaille dans l'État, ou fait corruption, nous pas besoin de dire, eh bien, et peine par là, et de qui sanction pour y a plus sévère, parce que c'est dans l'État où travaille, mesdames et messieurs, ou doué un exemple pour si là où tu as envie de venir travailler dans l'État. Eh bien, je vous dis là, toi conseiller ça, Moïse Jean-Charles, monsieur pour Calotte Marassa là, Claude Joseph, son autre Calotte Marassa, avec divers autres nègres encore nous pas cité dans la vidéo. Ça. Eh bien, nous allons attendre, eh bien, plus de détails et concernant le dossier ça, commissaire Muscadet, monsieur Frappé TUP et dossier ULCC, mesdames et messieurs, qui m'a dit, eh bien, pour mettre toi avec ça, en côté pour machine, pas frapper. On écoute plus de détails, n'a pas tourné. C'est une bande qui a gagné presque 3 ans à chercher, monsieur. Monsieur, c'est une bande qui opère du côté de Léogan, Marché Mango, qui opère Miragouane, comme je monsieur, c'est Nèg Miragouane. Hier soir, monsieur était baradé avec Nègyo. Matin, il rentre pour le prince, là, chercher des munitions pour renforcer Nègyo. En sortant, il est pour le prince, et puis nous finissons par stopper, monsieur. D'accord, quand est-ce que vous monsieur, même? Et nous croisons, monsieur, du côté de Cafou de Risso. Ok, nous croisons monsieur du côté de Cafou de Risso. Donc, là, je cherche une munition pour les gens qui ont frappé dans la barrière. Est-ce qu'il y a une munition? Toutes les munitions sont les mêmes. Munitions sont les mêmes. 556. Moi, je compte. Mais sauf qu'il y a 20 loin parce que je ne gagne pas de gain. Vous ne pouvez pas gagner? Non, négatif. Je ne gagne pas de gain, monsieur. Mais sauf que. Je ne peux pas gagner. Sauf que monsieur, si on prend une munition, on n'a pas de papa. Là, la game est du côté de Tigouave. Monsieur progresse dans la machine pour venir là. Depuis Tigouave, nous avons des informations sur lui, nous finissons par progresser sur ce monsieur. Vous dites, monsieur, c'est une mission pour les gangs qui sont opérés dans la zone barrage. Monsieur fait partie de gang ça? Oui, monsieur fait partie de gang. Monsieur fait partie de gang, monsieur bien négo, monsieur tout. Hier soir, monsieur était ici, il y en a qui ont des machins qui ont tiré. D'ailleurs, monsieur, c'est un bien agréable, monsieur, tout est bien agréable contre monsieur. Et hier soir, c'est pas deux dégâts qui ont pas fait du côté de barrage. Mon couru. Ils ont saisi les machines, ils ont saisi les motocyclettes, ils ont pris l'argent, ils ont rançonné les gens, ils ont fait. C'est pas des dégâts qui va faire. Mais nous connaissons qui barade, il y a un problème pour nous même là, si vous calmez, on va pas barade. On peut vous ça. Sauf que nous déjà, il y a 7 mots qui sont déjà, et au cahier déjà là, et du moment où vous êtes, on a des bacs en bas. D'ailleurs, nous avons des munitions, actuellement là, nous avons des munitions. Non, vous Environ combien de munitions? Et je ne vais pas compter. Je ne vais pas compter. Est-ce que vous avez 1000 ou bien 200, 300, 400? Bon, s'il va 1000, dis presque 1000. S'il va 1000, dis presque 1000. Si on s'est calmé, si on s'est calmé. 556. 556. 556. Qui est cherché pour le reste? Ok. Mais commissaire, vous avez observé avec vous. Pendant ce temps, vous n'avez pas de critique que vous avez dit pour vous faire arrêter Bandia ou non, ministre, vous n'avez pas de servir ensemble. Non, mais je ne vais pas gagner. Je ne vais pas l'acheter. Il ne va pas faire un cadeau. L'État n'est pas bon. C'est un bon ami pour moi. C'est un policier qui va me faire un secret, qui va me faire un secret. L'État n'a pas de munitions? Bon, l'État peut-être pas, d'après, je ne vais pas gagner. Mais à qui gang vous faites? Nexayo, ils sont un gang qui a opéré du côté de Baradère. Ils sont certains épreuves. Mais ils sont 4 ou 5. Et ils sont Matissa. Ils peuvent là, nous connaissons, ils ont été arrêtés. Ils peuvent là, ils ont été arrêtés, sauf que le tribunal, premier instance, là, t'es libéré. Si le tribunal l'a libéré, moi-même, comme c'est le gouvernement, je vais gagner un café. Parce que là, on va dire, la main levée du juge d'instruction n'est susceptible à aucun recours.
Et c'est une question ça qui a pas de problème dans la barrière. Je dis à là, et monsieur a un petit boulot en bas, l'aime t'a arrêté, je dis son commerçant, son entrepreneur, son homme d'affaires qu'il y a, mais je dis à mille après en bas. Et si on fait ça, à qui est-ce qu'on parle d'abord? C'est lui-même. C'est lui-même. Je vais vous dire. Ah, pas connait que ce bon dit monsieur faut gon bagay qui fait. C'est pas mon pour dire faut gon bagay qui fait. Il faut payer mon chance. On va qu'il t'en fait parler, il va dire rien. Et ça c'est que ay question d'inquiétude. Ça pas trop important s'il dit pas s'il va parler sauf que nous intercepter monsieur a sorti du côté du Port-au-Prince avec petite ministre Namel pour renforcer négo. Je dis là monsieur fini. Les allégations de sollicitation de 100 millions de gourdes par les trois membres du Conseil présidentiel de transition, Smith Augustin, Emmanuel Vertilaire et Louis-Gérald Gilles, pour la reconduction de M. Raoul Pascal Pierre-Louis à la présidence du Conseil d'administration de la Banque nationale de crédit. Croyant fermement à l'énergie positive laissée par nos ancêtres, dans le cadre de cette lutte contre la corruption, nous allons cantonner l'hymne national en mémoire de ceux et celles qui nous ont. Ce mercredi 25 octobre 2024, l'unité de lutte contre la corruption continue d'assumer sa part de responsabilité dans ce combat combien courageux visant à imposer cette nouvelle forme de gouvernance basée sur la redevabilité, la transparence et l'honnêteté. Moins d'un mois de cela, l'USCC a transmis à la justice 7 rapports d'enquête sur des faits avérés de corruption, mettant à nu un petit groupe qui développe un élan d'individualisme possessif au détriment de l'intérêt collectif. Ce matin, nous sommes en train d'assister à un événement sans précédent dans l'histoire politique et institutionnelle haïtienne où des hauts responsables de l'État assurent les attributions présidentielles sont impliqués dans un scandale de corruption. Les conclusions de l'enquête conduite par la commission mandatée à cette fin sont sans équivoque sur des atteintes à la probité de ces personnalités qui sont toutes également des agents publics avec la responsabilité de réduire les inégalités sociales, de permettre le vivre ensemble et de s'assurer du bon fonctionnement des institutions de l'État. L'USCC, se conformant à sa mission légale, a mené une enquête impartiale, crédible et fiable sur cette affaire de corruption impliquant 3 membres du Conseil présidentiel de transition et l'ancien président du Conseil d'administration de la Banque nationale de crédit. Ce rapport d'enquête que nous publions ce matin, cet après-midi, concernant les allégations de sollicitation des 100 millions de gourdes par les membres du Conseil présidentiel de transition est issu de plusieurs mois d'investigation et de documentation de nos enquêteurs expérimentés. Ce travail effectué avec un élan d'objectivité est aussi un plaidoyer pour la bonne gouvernance et l'usage strict de l'intégrité de la gestion de la chose publique. L'USCC se trouve encore à ce carrefour historique en fonction des enjeux et de l'ampleur des grands dossiers à scandale qu'elle conduit. Cette institution qui détient cette noble charge de moraliser l'administration et la vie publique en général, de protéger les biens publics et collectifs, répondra toujours, sans moindre doute, à ces rendez-vous avec l'histoire. Définitivement, toutes celles et tous ceux qui gèrent les fonds publics ou qui occupent une fonction à forte influence ont désormais des comptes à rendre à la nation. Ce changement de paradigme est en résonance avec les objectifs de cette période intérimaire insérée dans le décret du 10 avril 2024 qui insiste sur des réformes profondes et considérables en vue de proposer une nouvelle forme de gouvernance axée sur le sens profond du service public. Enfin, nous réitérons une fois de plus
la demande de traitement judiciaire que les juges sont appelés à décider en toute indépendance, en priorisant l'intérêt général, en s'efforçant de résister aux forces occultes détentrices d'avoir important issus des actes de corruption qu'ils sont tenus de réprimer. L'USCC demeure une grande alliée de la justice et travaille pour la justice. Chaque journaliste ici présent sortira de ces lieux avec un résumé exécutif de ce rapport d'enquête, comme le l'autorise l'article 9 du décret du 8 septembre 2004 créant l'USCC. Nous décidons d'impliquer chaque citoyen et chaque citoyenne dans cette quête de bonne gouvernance et de reddition de comptes. Ça qui a passé aujourd'hui, c'est un événement historique. C'est un signal fort qui montrait que Haïti demeurait et restait un état de droit. Qui donc, personne, quel que soit rang, quel que soit statut, pas piwo, ni en les têtes la loi. L'USCC a continué sans répit, avec même énergie, à traquer toute corruption, à tout corrompteur. Du haut de nos 20 ans, des 20 ans de l'institution, l'USCC assume sa part. Ensemble, nous allons continuer. Merci beaucoup. En plus des recommandations sur le plan pénal, c'est d'abord la mise en mouvement de l'action publique contre les nommés Smith Augustin, Emmanuel Vertilaire et Louis-Gérald Gilles pour abus de fonction, versement de pots de vin et corruption passive, ce conformément aux dispositions des articles 5.5 et 5.6 et 11 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. La mise en branle de l'action publique contre le nommé Raoul Pascal Pierre-Louis pour entrave au bon fonctionnement de la justice et abus de fonction, versement de pots de vin, corruption active, fait prévu et puni conformément aux dispositions des articles 5.5, 14, 21 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. La mise en mouvement de l'action publique contre le nommé Lonique Léandre pour instigateur de versement de pots de vin fait prévu et puni par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 5.6 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. La demande d'extradition du nommé Raoul Pascal Pierre-Louis par l'autorité judiciaire compétente pour répondre de ces faits, ce conformément aux dispositions des articles 14 de la Convention interaméricaine contre la corruption, 43 et 44 et suivant de la Convention des Nations Unies contre la corruption, du traité d'extradition entre Haïti et les États-Unis d'Amérique et l'article 1er de la loi du 14 décembre 1912 sur l'extradition des criminels fugitifs. À présent, le protocole va conduire le directeur général à son bureau pendant que chaque journaliste recevra un résumé exécutif de chaque rapport d'enquête. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Okay. Okay.